Nous avons parlé de dignité, de sécurité. Je suis très attaché également à la défense de la liberté. La liberté d'entreprendre d'abord, parce que notre nation a besoin d'innover et qu'elle ne peut pas en permanence avoir peur. Nous devons vous rendre de la liberté dans votre quotidien en remettant de l'humanité dans nos services. Ça suffit de la dictature du CERFA. Nous devons enfin simplement rendre de la liberté pour respecter l'individualité de chacun. Vivre ensemble, c'est faire un effort collectif, mais ça n'est pas imposer aux autres son mode de vie. Nous avons un cadre commun, celui de la laïcité, celui des règles de droit sur les délits, les crimes, etc. Mais au-delà de ça, que chacun puisse entreprendre son quotidien comme il l'entend, voilà là aussi un projet qu'il me semble important de défendre.